En parlant de Jésus, on va jouer à Démocratie 4. Merci. Qui est un jeu. On gère un gouvernement, un pays. Vote un developer priorities. Hein? Bah, je sais pas. Hein. Attends, j'ai pas joué encore. Attends une seconde. New game. New game. United States of America. C'est en anglais, malheureusement. Bon, ça va être en français au fur et à mesure, évidemment. Bon, pour le moment, c'est en anglais. The United States of America is the world's third or fourth largest country by total area and the first most populous country in the world. Après, je lirai pas. Voilà. Bon, ce petit résumé de qu'est-ce que c'est les States. Je parle pas de Joe Biden. L'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Canada. Et après, on va pouvoir débloquer d'autres pays. Alors, pas beaucoup de pays actuellement. Je vois l'Italie, je vois l'Australie et l'Espagne. Pas mal de pays européens. Ça doit être un... Ça doit être une boîte européenne. Forcément une boîte européenne. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va pour la première? Je pense en mode States ou alors en France. Religion, 41% de catholicisme, 40% de... Pff, on n'a pas. Islam, 5%. On fait de la machine, des vélos, des véhicules, de la pharmacie, du plastique, des cosmétiques et à boire. World leader, les trucs de luxe, putain, du tourisme. Et welfare state funding. C'est-à-dire que Bouygues... C'est parti, quoi. C'est ça? On exporte de l'électricité. Membre de l'Eurozone, ouais, très bien. National Obsession. National Obsession, gastronomie, equality, wine, competitive cycling. La France, c'est ça pour l'Asie du monde. Ouais, les Aircraft, vous avez tiqué sur Aircraft, c'est bien. Est-ce que je suis toujours en... Est-ce que ça va, là, le fond vert? Ça va? Vous acceptez? Vous acceptez? Vous acceptez? Le Tour de France, putain. Welfare state funding, sécurité sociale. Ouais, exactement, Bouygues. Au niveau des States, c'est quoi leur obsession? Biggest industry, real estate. Most popular food, cheeseburger. Wow. Wow. Ethnicity, 77% de blancs, 18% de latinos, 13,4% de blacks. Ça qui est bien avec les States, on a des statistiques. Pour nous autres joueurs de civilisation, on est là, bah c'est parfait en fait. On va pouvoir gérer. C'est bon, on a les stats. Donc normalement, avec des mathématiques, tout va bien. Il n'y a plus de problème dans le pays. Eh non! Eh non! Attendez. Oh putain, 1,3% d'hindous! C'est quoi leur truc? Fish and chips. C'est vraiment de la merde. Hein. Les pays anglophones, ils n'ont pas de nourriture en fait. Ah toi, tu n'as... Toi, tu n'as pas d'alimentation préférée. Oh, la religion. Ah, c'est marrant, ça. C'est super diversifié en Espagne. Ils sont world leader dans le climat. Ouais, très bien. Et dans le nombre de zoos. Ah, bah, t'es pas terrible, là. National Obsession pour le Canada. Hockey sur glace. Politeness, c'est tout ce qui est dans la politique. La diversité et le sirop de maple. 1,4% de Sikh. Ah, vache. Vache, incroyable. Pas en France. Espagne? Espagne! Voilà. Espagne! Alors, on doit choisir notre nom de parti. Le petit tiki. Le tiki en mouvement. Le petit tiki, c'est pas un bon nom de parti. Ça serait le grand tiki. Ça serait plutôt le tiki qui avance. Le tiki qui. Ouais, qui s'exporte. Le tiki qui fait rêver. C'est quoi le tiki qui fait rêver? Tiki qui? Tiki qui? Le tiki qui? Le tiki qui après? Le tiki pour tous. Le tiki pour l'avenir. Le tiki pour l'avenir, j'aime bien. Voilà. Le tiki national, au pire. Rassemblement tiki. Union pour le mouvement des tiki. Ah putain, vous avez des bons noms! Pardon, excusez-moi, j'ai gueulé. Mais vous aussi, vous gueulerez quand vous serez au gouvernement! Attention, je vous ai, putain! Tiki pour l'avenir. Qu'est-ce que c'est notre nom de. Ah bah, l'opposition? Bah, l'opposition, c'est le Jack Daniel, quoi. Je pense. Enfin. Le tiki insoumis?
L'eau? Ouais, l'eau. Les gauchistes, l'anti-Tiki. Mais mon dieu. Attendez, c'était quoi là, leur boisson de merde là? Ah ouais, ouais, c'était ça. Le Captain Jack là. Le... Oh, le Capitaine Jack. Le Capitaine Jack. Captain Morgan. Me suis trompé. Oh, c'est ça, ça, c'est pas bon ça. Non, 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 c'est, ils sont contre nous. Enfin, il est contre nous, le capitaine. Opposition party name. Attends, hein. Ah, y'en a deux. Ah, y'en a deux. Ah, ouais, d'accord. Bah, il est con, quoi. Ah, on peut pas. Comment ça? Je peux pas écrire. Ah, si. Les cons, ouais. Le capitaine Morgan et les cons. Ou les courants d'air. J'aime bien les courants d'air. Les cons, c'est nous. Les islamo-gauchos. Ah, je suis désolé. J'espère que vous trollez, que c'est juste pour rigoler que vous dites ça. Mais moi, ça me fait rire, moi. Ouais, je suis naïf. Je suis naïf romantique et d'espoir. Beaucoup d'espoir. Triparty, si tu veux. Si tu veux, triparty. Difficulté. Oh, on va rien laisser. Starting debt. Ah, on commence avec de la dette directement. C'est bien ça. C'est parti. Blaming the previous government. Yes. Nice. Alors, welcome to the democracy for. You have just started your first term as president. Et ouais, ok. Il est là pour m'expliquer les trucs. Kit tutoriel. D'accord. Bon, normalement, j'ai l'impression que ça marche un petit peu comme la dernière fois. Donc, on va pouvoir s'en sortir. On a des petites statistiques. Vous le voyez, alors GDP, ça doit être le PIB. Health, c'est la santé publique, l'éducation, le chômage, le taux de crime, la pauvreté qu'il y a dans notre empire, dans notre pays. Putain, parce que c'est nous, quoi. Ah oui, on est directement élu. Ah, c'est ça qui est bien. Et après, on va devoir se battre contre les autres, parce que voilà, on vient de gagner l'élection. Eh oui, 65 272 000 personnes, apparemment. Ils ont tous voté pour nous. Donc c'est très très bien. At the recent election, your party won with a majority of 10%. Ouais. C'est pas beaucoup 10%. Que des bonnes valeurs ce jeu. Que des bonnes valeurs. Alors, on a un problème en France apparemment, c'est le chômage. On voit au niveau des courbes vertes, c'est-à-dire que voilà, c'est plutôt bien. Et plus c'est... Alors ça dépend. La pauvreté, j'imagine que ça doit être au minimum en vert. Alors que l'éducation, ça doit être au maximum en vert ici. Ça doit remplir la barre. Pareil pour la santé, GDP, ça doit être la même chose. Alors que crime, pauvreté et unemployment, je pense que la barre doit être au minimum pour chacun justement de ces branches-là. On va voir. Donc voilà, c'est du jeu tour par tour. Ah, vous voyez des petites bulles un petit peu partout. Qui signifie quoi? Qui signifie qu'on peut régir une loi, en abroger une. Faire des trucs quoi, on peut leur dire les gars maintenant, on va construire des routes putain. Road building, on peut leur dire, on met tout le budget sur les routes, tout d'un coup, et c'est Cyril Louis. Attention, on a failli avoir déjà une petite, un petit problème avec Twitch. Et avec les autres gens, ouais, avec tout le monde. 10% c'est quoi cette république bananière? C'est 60%. Ok, 55-45 du coup. On a un mathématicien dans l'assemblée. Donc on voit au niveau de nos branches, on voit que le GDP, bon bah GDP, voilà, ça influe évidemment sur beaucoup de choses. Quand on laisse surligner notre souris sur quelque chose, eh bien on va voir les interactions bénéfiques ou maléfiques qu'il peut y avoir justement avec celle-ci. State Rail Company, les petits chemins de fer, évidemment ça va influencer sur la pauvreté, la productivité, le chômage, le taux d'usage justement de ces rails-là, etc. Donc vous avez bien compris, et puis vous avez... déterminer des petits triangles, enfin des petites parties justement comme ça, qui reflètent une branche de votre activité dans le gouvernement. Ici les services publics, on le voit, c'est marqué. Ici la loi et l'ordre. Est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est bien visible pour vous? Je pense pas que ce soit très visible. Regardez mieux. Les transports ici. Foreign policy, donc les affaires étrangères. Welfare, donc tout ce qui est santé publique. L'économie. Et nous avons les taxes. Les taxes ici avec la taxation des gens.
Donc là, on voit que l'income est de 39 billions. On peut mettre plus, on peut mettre point, moins. Et ça va dépendre de quoi, justement, ces changements au niveau de notre doctrine. Eh bien, ça va dépendre au niveau de nos points. On gagne des points par tour, normalement, hein, si je dis pas de bêtises. J'imagine qu'ils n'ont pas changé cette chose-là. On va gagner des points par tour et on va pouvoir, oui ou non, changer des lois. Voilà. Mettre plus ou moins de budget sur certaines choses ou en promulguer d'autres. Les blindés, ils ok. La loi et l'ordre. Légaliser directement le milliard. La loi, c'est moi, c'est Schmitt. Pré-build le baccalauréat. Mon dieu. Alors, icône contrôle. Ok. Ici, on a des sondages apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jolène Dupuis, disposable income. Donc, ça touche un petit peu. Capitaliste. Retired. Entre ça. D'accord, donc il y a beaucoup de détails hein, sur les gens que nous avons dans notre pays, apparemment. Voter type, environnementaliste, les pauvres. Ah, il y a beaucoup de statistiques, hein. On va s'amuser. Hein. Alors ça aurait été un peu mieux, évidemment, que ce soit en français. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Donald Trump? Conservatif, regardez. Oh, c'est marrant, ça. Il nous montre les politiciens et leurs tendances politiques, justement. Ayn Rand, je connais pas cette personne, merde. Merde, Margaret Thatcher, Donald Trump, Ronald Reagan, Vladimir Poutine. Bim! Capitaliste conservatif, apparemment. De l'autre côté, nous avons Lénine et Joseph qui sont là. Je crois qu'il n'y a pas de dirigeant français hein, qui a été reconnu. On voit Angela Merkel, voilà, qui est pas loin. Est-ce qu'on pourrait... Ah, voilà, Tony Blair, Bernie Sanders, Bill Clinton. Voilà, on n'avons pas de gens de chez nous. Alors voilà, implement new policy, ça c'est intéressant et ça va être là où on va se diriger généralement pour avoir, encore 45 minutes, pour avoir de nouvelles lois en fait chez nous, pour dire oui ou non qu'est-ce qu'on va faire quoi. Donc diplomatic service, va falloir lire un petit peu etc, hein, vous m'excusez les gars, ça a l'air si compliqué. Non, en vrai c'est pas compliqué, c'est juste que j'explique très mal, que c'est pas en français et que c'est la première fois que je me refais à cette interface là, qui était pas la même la dernière fois, donc voilà. En bleu, c'est ce que vous allez pouvoir faire. En rouge, c'est ce que vous n'allez pas pouvoir faire. Pourquoi en rouge? Parce qu'on n'a pas assez de points. Comme je vous le disais, on gagne des points par tour. Par rapport à nos bonnes actions, quoi que ce soit, on peut en économiser, etc. Bon, c'est un truc un peu plus compliqué. Tourisme ad campagne. Ok. On va faire une petite pub au niveau du tourisme. Et on voit justement qu'est-ce que ça va nous faire gagner. Dans combien de temps on va pouvoir l'implanter. On voit justement un petit peu toutes les statistiques. Est-ce que c'est justement quelque chose qui est privilégié par les votants? Est-ce qu'on va faire plaisir justement à nos concitoyens? Ou à faire des choses justement qui ne vont pas leur faire plaisir, mais qui vont faire améliorer la santé du gouvernement et du pays? Bon, c'est souvent tourisme. Ok. Alors je vais retourner dans la petite bulle ici. Donc, foreign policy, diplomatic service, import tarif, tourisme, ad campaign, welfare, la santé publique. Une campagne sur les dangers de l'alcool. Childcare provision. Ok. On prend les enfants, etc. Ils vont à la crèche. Food stamp, des petits billets de. Comment on appelle ça? Des tickets de rationnement. Genital mutilation ban. Ah! Vous avez compris. Contrôle des loyers. Social care pour les petits vieux. Et pas que pour les petits vieux. Tobacco awareness campaign. Oui, je pense que ça on fera un moment. Welfare fraud department. Donc. Le fisc. Winter fuel subsidy, ça doit être des économies justement pour l'énergie de l'hiver. Voilà. Genre, comment on appelle ça? Des subsidy. Un truc où on donne de l'argent quoi. On va pas récupérer d'argent, c'est nous qui allons dépenser pour faire justement quelque chose en tout cas. Ban le charbon. Ah! Campagne pour business startup, city farm. Many people would love to buy fresh produce from farmer directly. D'accord, ok. Donc ça c'est bien, moi je veux faire ça. Alors on va l'implémenter sûrement ça. 4 quarters, ok. Une petite année quand même. Eco home regulation. By city, there are more things to be considered. Ok, d'accord, ok. On va mettre une putain d'éolienne sur la baraque après. Foreign investor tax break. National business council. On peut recycler, on peut faire de la recherche robotique, on peut faire du développement rural, on peut faire le parapluie, putain! Ouais, les abris des taxes. Donc, c'est quoi ça? C'est en français, c'est les parachutes dorés.
Technology Grounds. Bah, on encourage le business pour les nouvelles technologies, quoi. Trade Council, Vertical Farm Subsidiary. Ah, je veux faire ça aussi. Moi, je veux avoir un immeuble comme ça. Yes. Et je veux aller faire mon potager chez moi. Work Safety Law. Ouais. Worker on board. Hein? Unpopular with... Ah, ça doit être les syndicats. Socialist and Tradition Policy. Ouais, ça doit être les syndicats, ça. Young Entrepreneur Team. D'accord? Je regarde un petit peu tout, hein, pour voir un peu. Bah oui, j'optimise. Je veux savoir qu'est-ce que je prends d'abord, quoi. C'est le logiciel de Macron. Ouais, c'est comme ça qu'il fait. Tous les mois, il est sur son petit jeu, etc. Il est tranquille. Alors aujourd'hui, on met une petite taxe pour les sacs en plastique. C'est parti. Alors, sacs en plastique, non, mais ça va se réguler normalement, ça. Au fur et à mesure, de toute façon, ça va être dans la culture, justement, où les gens vont arrêter d'acheter des sacs en plastique. Voilà, il faut pas taxer directement les gens, il faut leur faire prendre conscience que c'est de la merde. Ah ! J'avais dit, l'apprentissage à la dure, j'aime pas. Frequent Flyer Tax. D'accord ? Empty Home Tax, c'est bien ça. Cryptocurrency. Ah ! Combien on gagne avec ça ? La France. La tiki monnaie. Recreation drug tax. Ah. On pourrait taxer. On pourrait juste taxer en fait. C'est pas populaire auprès des votants. C'est fou ça quand même. Pourquoi ? Je mets une nouvelle taxe sur les drogues et non ? Parce qu'il y a 63% des gens qui se droguent. Ok. Punitive tax on superstore. Ah, pourquoi pas. Potential income 3 billions. Putain. Ok. Public service. Oh putain, public service, il y a des trucs. Climate change adaption fund. Ok, on voit qu'est-ce que ça veut dire. Compulsory food labeling. Ok, je vois très bien. Ça, c'est l'Europe. Ah, très bien. Ouais. Ok, non. C'est les étiquettes qu'on voit au supermarché. A, B, C, D, etc. Et puis après, les compositions. Genre en mode, ça vient d'où, etc. Est-ce qu'il y avait du chimie? Il y a du chimie. Compulsory school sport. De ouf, en fait. On va juste faire ça. Ça coûte pas très cher. Ça coûte 108 millions au max. Cyberbullying awareness campaign. Je pense que vous êtes d'accord. Faut légaliser avant, ouais, je pense. Bitcoin Power, la tiki monnaie. Free Eye Test. Ok. Ouais. Les capitalistes n'aiment pas ça. Et la pauvreté va baisser. Mais les vieux, les pauvres, les socialistes aiment bien. C'est bien, putain, c'est marrant. C'est marrant. Free Parenting Class. Hein? Quoi, qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, ok, c'est des formations pour être parent, quoi. Healthcare voucher. Ah, des petits tickets de réduction pour la santé publique. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tout ce que je comprends. Healthy eating campaign, ok. Keep the country tidy again. Bien sûr. Full tidy. Ça coûte rien, on le fera ça. On sera full écolo. Je préfère vous le dire, on sera full écolo. Non, c'est fini le charbon. On banne le charbon d'ailleurs. National Anthem à Start of News. Bien sûr. Mais full. Introduction cost 18 de Political Capital. Ah. Ah. C'est cher. Public Religious Broadcast. Mais ça y a déjà, non? Non, y a pas. Kato, la chaîne. C'est une chaîne privée. Public, ouais, c'est vrai. Ouais, non. C'est privé. La reforestation, bah, ça, évidemment. School Voucher, ok, d'accord. Social Justice Foundation, je vois à peu près qu'est-ce que ça veut dire. Stamp Out Racisme Week. Ah oui, d'accord. Ok, pourquoi pas. State Water Company. On a déjà fait ça, non? Ça, c'est... Hein? Non, on n'a pas ça. Bon. Ok. Des clubs de jeunes. D'accord.
des conseils politiques de jeunes. Et Technology College. Technology College? De ouf! Specialist School. Ah oui, moi je veux des mecs qui réfléchissent dans mon gouvernement. Moi je veux qu'on ait la Flynn Fleur de la technologie. Je veux qu'on ait des penseurs, des écrivains et des technologiens. Tout ça en même temps. Law and Order. Body Camera. Ouh! Tout le monde une petite caméra? Les libérales, ils sont contents. Après, alors la corruption baisse. Les tensions raciales aussi. Les conservatives ne sont pas contents. Les trade unionistes non plus. Et state employees non plus. Ok. Ok. Des drapeaux sur tous les... À tous les carrefours. Drapeaux à tous les carrefours. Ok. Gated communities. Jury trial. Ok, donc police drone, needle exchange program, on finit. Le droit de mourir. Ah oui, d'accord. Bien sûr. C'est le... Quand tu veux te kill. Voilà. L'euthanasie. Witness protection programme. Mais on n'a pas ça en France. On n'a pas ça. On regarde trop de séries américaines. C'est l'état... Non. Non, on ne dit pas le mot. On n'a pas ça en France. En vrai. Pour ceux qui s'y connaissent. Jean, est-ce que t'es là? Jean, on a des problèmes. Carpooling campaign. Full carpooling. Clean full subsidy. Ok. Congestion charging. Transport. Mais ça, on va ban tout, plein de trucs comme ça. Clean full, ça c'est bien. Ok. Mais je pense qu'on va ban les voitures à un moment. Campagne pour le cyclisme. Ah bah merci, Hidalgo. Pas de problème. High speed rail subsidize. Full. State airline. Attendez. Non mais ça on a déjà. Non. Moi je vais faire ça de toute façon. Ouais, State Airline. Ouais, j'ai mon avion Tiki quoi. Telecommuting Initiative. Ça c'est le télétravail. Ah, j'ai répété quand même pour retrouver le mot. Bon, ok. Ok, 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 on a 18 points, faut les dépenser maintenant. Sachant que la popularité. Ah bah les inventeurs. Ouais, bah eux ils nous aiment déjà beaucoup. Hein. On n'a pas récupéré le vote des écolos. Les pauvres aussi nous aiment bien. Les socialistes. Ok, les employés de l'État. La fonction publique. Alors les parents ne nous aiment pas. Incroyable. Donc on peut aller sur parents et voir justement qu'est-ce qui influe avec les parents. Ah, les parents, ils voudraient que la grève des docteurs s'arrête, j'imagine, que les maladies respiratoires cessent, et que l'overcrowding à l'hôpital, il faudrait qu'on ait meilleure santé publique aussi, apparemment. Les religieux ne nous aiment pas. Les wealthy non plus. Travail du sexe. Travail du sexe. On peut cliquer sur travail du sexe. Il est où le travail du sexe? Le sexe. Et là, le sexe, putain. Edgar Rousseau qui gère ça. Ah d'accord. C'est quoi là, actuellement? Quoi notre bail? Donc là-haut? Là-haut, ça veut dire quoi, là-haut? Alors, on pourrait les mettre au maximum. Ça nous fait changer, donc, un point. C'est un point. 7 points. Non. Cancel. Cancel. Cancel policy. D'accord. Alors on pourrait mettre ça illégal apparemment. C'est quoi le petit security briefing? Security briefing. Bonjour. Ok. Security effectiveness ineffective. Arme police inactive. Comment ça? Ah, on a pas de police armée. Caméra. 30% caméra? CCTV caméra? Town center. Ok. Face recognition system. Waouh, ça c'est bien ça. Waouh, ça c'est bien. Regardez! Regardez, il n'y a plus de crime après. Bon, les libéraux sont pas contents.
Mais les crimes, les violents crimes, les street gangs, y'a plus. Et c'est quoi? Si je donne 200 millions en plus? 200 M. Confirme using cancel. ID card, 50% quoi? Comment ça? Intelligence service, press freedom. Intelligence service. Attendez. Spy Satellite Network. Ah, je mets 300 millions. Je mets 300 millions, mais par contre, le crime, encore une fois, les patriotes, ils sont contents en plus. On va faire des trucs. Mais avant toute chose, on va mettre ta petite ampoule. Petite ampoule, notre première décision, c'est quoi? C'est d'avoir des potagers au-dessus de chez nous. Putain. Vertical Farm Subsidize. On fait baisser le chômage. On fait baisser le prix de la nourriture. On fait baisser les capitalistes. Le trafic congestion. Oui, les embouteillages. On va implémenter ça. 16 sur 18. Ah, de political capital. Et City Farm, c'est 3. Merde. Merde, je voulais faire ça en même temps. Ban call, 16 sur 18. Eco Home Regulation. Eco Home Regulation. Eco Home Regulation. C'est juste parti. Et est-ce que je pourrais... Alors, attendez. Public service. Je veux juste des technologies collège, moi. Technologies collège, et puis après, on va faire en sorte que les mecs, ils aillent faire du sport un peu. Ouais, ouais, technologies collège. On implante ça. Éducation qui augmente, technologie qui augmente. Les employés de l'État aussi. Donc là, on l'a mis en route. Ça nous coûte 820 M. Ça nous coûte 820 M. Et on met au maximum 1 milliard, putain. 1 milliard. Un milliard. C'est où? Donc ça doit être vers là. On met... L'éducation c'est le plus important, putain. Il est où mon truc? C'est ça? Université Grants, non. Je le vois pas. Public Libraries, c'est pas ça. Technologie collège. Et donc on l'a bien maxé, c'est bon. Je voulais voir justement s'il n'y avait pas eu de problème. Donc un billion, putain. Est-ce que tu peux envahir la Belgique? Ouais. Ouais. On a encore combien? On a encore 8 points. On peut faire les city farms et faire un autre truc. Oh. Young Entrepreneur Kim. Ça coûte que 6 points. Est-ce qu'il y a un truc qui coûte 2 points? Attendez, j'avais un autre truc là. J'avais un autre truc. Campagne pour le cyclisme. Enfin, pour faire du vélo quoi. Social care. Ça coûte de l'argent ça. Business startup campagne. 2 sur 8. On peut faire 2, 2, 3 là. On va faire Young Entrepreneur 2. 2 quarters. C'est parti. Allez! Allez, au maximum. Le socialisme qui baisse. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé pour le socialisme. Ah, mais les jeunes, putain. Business startup campaign. Ah, c'est parti. On leur fait confiance. Business startup. Le socialisme qui fait la gueule encore une fois. Self-employed. Ah, on va mettre le télétravail aussi après. Ok, donc on a utilisé tous nos points. Donc là, on pourrait regarder un petit peu dans les autres petits onglets. Mais on peut juste passer son tour. En vrai. Ah, les points, ils étaient là. Elle est pas contente, elle. Qu'est-ce qui se passe? Socialiste envers... Ah, putain. Ok, donc on passe le tour. On retourne à notre gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour! C'est le report du quarter. Très bien. Alors, avec les choses que nous avons fait, évidemment, sur le dernier round, ça a influé, évidemment, ça a influencé, certaines valeurs. La pauvreté a baissé. Le crime a baissé, et donc on est passé en vert dans les deux petites barres. Le chômage a baissé, le PIB n'a pas augmenté. L'éducation a augmenté, la santé publique aussi. Voilà. Et nous avons des questions auxquelles nous devons répondre. Nous devons faire des choix. Speed limit. This urgent policy question that requires you immediate attention. Alors, on lit en même temps dans notre tête. Lisez à voix basse.
Major Motorist Pressure Group. Ok. Donc c'est limite de vitesse sur les routes. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on augmente les limitations de vitesse parce que bon bah les voitures ont augmenté évidemment d'efficacité au fur et à mesure des années où la loi avait été rédigée. Donc du coup, ça serait juste une évolution de la technologie par rapport à une évolution de la loi par rapport à la technologie, etc. Elles sont en plus plus sécuritaires. Enfin, il y a plus de sécurité avec les bagnoles d'aujourd'hui qu'avec les bagnoles d'avant. Donc, il faut juste rebalancer la loi, ou alors on ne change pas. Voilà. Alors c'est soit il y a cette ouais, enough people dies on the road as it is. Ah. En vrai, si on réfléchit un petit peu, on en a rien à foutre. Voilà, faites ce que vous voulez, on n'a pas de bagnole. De toute façon, on va y avoir plus de bagnole. Ça pollue. The limits are widely ignored. Non, moi ce qui me dérange en fait, c'est que la limitation de vitesse sur les autoroutes, etc., sur les grandes routes, ça me dérange pas. Genre, en mode, ça pourrait être 30 km/h au-dessus, je trouve que c'est ok, c'est sur les petites routes. Ouais, c'est sur les petites routes, on va pas augmenter, non, une petite route à la con, ou dans des endroits bien particuliers avec des contextes urbains, bon non, là ça me fait chier. Or, Major Road Race, c'est Major Roads, hein. Moi, je suis d'accord pour augmenter sur les Major Roads. Hein. On fout. Ouais. Non, mais raise the speed limits, c'est parti. Les parents sont pas d'accord. Le plus CO2 d'émission, plus 2%. Merde. J'aurais pas dû faire ça. Oh, je m'en veux. On refait comme avant. Pardon, je change d'avis. Budget report. Budget report, la dette a augmenté, le taux d'intérêt a augmenté aussi. C'est relou ça. Achievement unlocked. Subsidy signed. If you want to get something, you subsidize it. That seems to be a national. D'accord. Mais j'ai pas fini là. Attendez. J'avais tout cliqué ? Pas sûr. Good news, the global economy is doing well and this is having a positive effect on our GDP. Budget report, cabinet, ils sont loyaux apparemment. Et Pulse, on est à 34% d'intention de vote. D'accord. Donc là, on a 17 points. On a un point de moins que tout à l'heure parce que dans notre gouvernement, bah, y a des mecs qui commencent à nous détester par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc on gagne de moins en moins de points. C'est eux, les gens qu'on a mis au gouvernement, qui nous racolent des points tous les tours. Donc on repart dans notre petite ampoule. Et donc après les gosses éducation, ouais, je pense que c'est bien de faire ça au départ. Technology Grants. Alors le problème, c'est que moi, je pense que c'est parachute doré, c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Ouais, parce que sinon, les gens, ils vont dans les autres pays, ils vont sur Ile-de-Man, ils vont à Guernesey, ils vont au Luxembourg. Et bien sûr, autant avoir au moins un peu de cette thune-là. Ouais, c'est ça que je me dis. Ouais, c'est con, hein, peut-être. Hein. Ouais, mais je m'y connais pas, moi. Désolé, mais je dis logiquement, bah ouais, mais s'ils payent trop d'impôts, les gens ils vont partir. Et en France, bah y a full pays à côté, c'est pas loin en plus, où tu peux mettre ton petit truc et c'est mort. Ouais, bah ouais. Ah, faut faire avec quoi. Technology Grants. Ah, encourage business to invest in new and exciting technology. C'est ouf. Plus de productivité, baisse du chômage. Ça coûte pas cher. Distortion of the market. Ah. State funding to encourage business to invest in new and exciting technology. Peut-être on va le faire un peu plus tard. Quand nos gamins ils seront sortis de l'école. Rural Development Grants. Alors ça, moi, forcément. Le chômage baisse encore avec ça. Le salaire des pauvres augmente. Le GDP augmente aussi. Ah, par contre, rail et car usage qui augmentent. Oui, c'est un peu logique. Eco-home regulation.
J'ai clairement envie de le faire. City Farm, j'ai clair... Écoutez, au bout d'un moment, voilà, on se fait plaisir. Maximum. City Farms, bim. Alors. City Farms, et on fait des potagers sur nos toits maintenant. Ils sont où? On l'a déjà fait ou pas? Public service, c'était pas public service. Économie, non. Faut faire des trucs économiques, il va falloir taxer les gens. Il va falloir taxer les gens au bout d'un moment. Je suis désolé les gens, putain. Je voulais pas vous taxer, mais voilà. Faut rentrer la thune maintenant. Cyberbullying. Ouais, alors je sais pas si c'est le premier truc à faire. Là, je regarde un petit peu les effets que ça donne. Baisse la pauvreté. Est-ce qu'il n'y a pas un truc justement que le peuple souhaite en vrai? State Water Company, les gens sont pas chauds. Hein. Ça baisse le crime. Ça baisse les street gangs. Law and order. 62% des votants qui veulent ça. Ah ouais, quand même. Ils veulent les body cameras. Merde. Ok, mais plus tard. Ok, mais plus tard, parce que ça coûte 12. Clean food subsidize. Ok. Ils sont déjà ailleurs alors que Macron a supprimé l'ISF. Oh merde. Merde, il n'y a pas de solution du coup. Comment on fait? S'ils sont déjà ailleurs, ça fait chier. Hein. Alors que j'imagine qu'on leur donne plein d'accès justement économique à notre pays. J'avais vu un reportage un jour, je sais plus si c'était, je sais plus quelle entreprise, mais on avait fait un pont d'or pour qu'ils viennent et 2 ans après, ils avaient fermé l'usine et l'avaient réinstallé dans un autre pays. Et là, mais... c'est petit quand même. C'est bon. Bon. Quand même. Ouais, ouais, on va, ouais, ouais, vous inquiétez pas, on va nettoyer tout le pays. Ah ouais, ça devient bien. Ah bah là, on réfléchit. Alors là, les gars, là, je suis là en mode... là, c'est pas civilisation, là. C'est pire. C'est pire. L'économie. Moi, l'économie, je pense que c'est important. Énergie, ouais. On va implémenter les Eco-Home Regulation. Au maximum, encore une fois. Capitalistes sont pas compétents. Baisse des émissions de CO2. Plus d'efficacité au niveau de l'énergie. Énergie, industrie, qui baisse. C'est un peu bizarre ça. Bon, pas trop. Et on a encore 2 points. On a encore 4 points. Pour faire une petite campagne sur le tourisme. Des rations alimentaires, des tickets de rationnement. Les gens veulent ça? Bah je vais faire ça là. Je vois pas le truc en fait. 2 billions. Potentiel cost, income 0. C'est sûr. C'est sûr. Taxe. Ouais, taxe, potentiel income 67 millions. Ouais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Health food subsidize. Ouais, je suis chaud pour ça. La food price qui baisse. Ouais, full chaud pour ça, moi. Maximum. On prend 224 millions, income 0. Ah! Ça nous rapporte de l'argent, c'est un moment quand même. On a 1 point. Est-ce qu'il y a encore un truc à 1 point? Non. Prochain tour. Bien sûr que je paye l'ISF 2 fois. Oh, le crime a bien baissé. On n'a pas eu d'augmentation de l'éducation, pas de baisse de chômage, etc. Un petit peu bizarre. Cluster bomb ban. Ok, donc il y a une compagnie qui a gagné un contrat pour créer et pour alimenter des cluster bombs pour des pays étrangers. Ça, c'est bien un truc français, ça. C'est quoi les cluster bombs? Est-ce qu'on les banne? Parce que bon, il y a un débat dans notre pays, apparemment vous faites partie de notre pays, donc... grenade de désencerclement, bombe à fragmentation j'imagine.
Ouais, non, mais attends, parce que c'est une entreprise, ça va nous rapporter du pognon un peu quand même. Cluster bomb cause so many civilian deaths that there really is no way we should condemn the manufacture of such weapons. They were cruel weapons and there is no justification for their use today. If banning this weapon cost us a handful of jobs, that's a price we should be happy to pay. Problème de chômage dans le pays, les gars. Voilà, on rejette la loi. It's very easy to say we should ban the manufacture of cluster bomb. But what next? Stop making guns? Handcuff? This would be a step towards dismantling our whole arm industry, which would cost jobs and enter investor confidence. C'est pas utilisé contre nous, donc on banne pas. Ah non, mais attendez. Parce que c'est bien beau, mais... Nous, on a... Non, mais nous nous, la France. Nous, les armes. On en vend bien, quand même. Putain. Ouais, c'est des questions intéressantes. Qu'est-ce que je ferais vraiment à la place, là? Ou dans le jeu? Est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est le jeu? Parce que là, j'ai envie de mettre... on rejette la loi, les gars. Qu'est-ce que vous croyez? On va juste faire de la thune, putain. Ouais, ouais, mettez des bombes, ouais. Ouais, j'ai rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je veux juste que toutes mes petites branches, elles soient toutes vertes. C'est tout. Tu vas perdre des intentions de vote. Non, mes intentions de vote, avec tout ce qu'on va leur donner à nos citoyens, ils vont oublier rapidement cet épisode de la cluster bomb. On fabrique même plus nos fusils ni nos balles. Et bah ça, on va refaire. on va refabriquer nos fusils et nos balles. On rejette la loi. Les capitalistes sont contents. Ah, pas trop les libérales. 44% d'intention de vote. Et bien sûr. We need to fix this. Ouais, budget report. Ouais, ouais, ouais. On a un problème au niveau de notre budget. On a 18 points qui viennent d'être retrouvés. Alors, on a des problèmes. Voilà, on voit en rouge justement les problèmes de la société. C'est sur ce qu'il faudrait justement se positionner rapidement pour que ça aille mieux, évidemment, à travers notre empire. Au niveau du GDP, Uncompetitive Economy. Ah ouais, d'accord. Corporate Exodus. Ah. Ouais, bah on va faire le parachute doré. Ouais, ouais, de ouf. Ouais, ouais, parachute-moi tout ça. Un quarter. Mais les gens sont full contents. Mais full contents. Hop, au maximum. Allez, qu'est-ce qui se passe? Le GDP, vous avez vu comment il augmente? On va faire plus 5% de GDP. Hop, tax shelter. C'est parti, full parti. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour Corporate Exodus? Tax shelter, maternity leaves, payroll tax, corporation tax, carbon tax. Ouais, les gens ils sont pas contents par rapport à tout ça. Enfin, l'économie. Ça, c'est quoi, ça? Minimum wage. Ah, on va pas... Non. Non, on va pas changer ça. Vous avez vu? J'ai regardé une petite news par rapport à la Suisse. J'ai vu que le salaire minimum à Genève, c'était 3800 balles. 3800 euros. Et j'étais là, pas mal. Pas mal. Et il faisait une comparaison avec les loyers, etc. Pareil que Paris, quoi. Pareil que Paris. Rail strike. Rail strike, ça c'est un problème apparemment. Donc du coup, cause, labor law, port earning, okay, state rail company, unemployment. Ah, il faudrait faire un truc justement pour ça. State rail company. On va aller sur ça. Rail industry, ouais, moins 100%. Ils sont en grève, les connards. Ils sont en grève, les cons. Welfare, attendez, food stamps, tout le monde voulait ça. Tout le monde voulait ça. Et après on refera une petite taxe derrière. Enfin, on va faire une petite taxe, je pense, derrière. Et pas les plastic bags, si vous voyez ce que je veux dire. Et parenting class, welfare, food stamps. Allez, les tickets de rationnement. Allez, c'est parti. 2 billions pour tout le monde. On fait baisser la pauvreté, les mecs. Et c'est bien. Un point. Un point, il n'y a plus rien à prendre. Hop, on passe le tour. On a fait descendre la pauvreté. Et voilà. Ça, c'est nous, ça, putain. Global Aid Drama. A domestic period drama has become a global association. Over 100 countries have purchased
The right to broadcast the show. It must appeal as Yale Television Awards around the world. This entertainment phenomenon is now one of the nation's biggest exports. À bientôt! Bah, c'est bien. Oh, super. Ah, top. Bah, on a pris du tourisme, de relations étrangères et du patriotisme. Donc, pouce vert, pouce en vert. Tonight, nice. Tonight news headlines. We talked. Attends. On a pas rien ouvert. Ah bon? Mais non, mais t'inquiète pas. Non, l'égalité. Racial profiling. Ah, et là, faut que je vote, là? Attendez. View policy, d'accord, ok. Et là, je peux changer ça. Racial profiling. Comment ça? Raise 21 pour raise ça. Wow, c'est beaucoup, hein. Oh non, c'est bon. Ouais, ça fait... Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Non, on va rien faire, là. Non, c'est bon. Non, on change rien. On change rien. On a fait descendre la pauvreté. On devrait faire descendre le chômage. Income 124. Déficit de 170. 45 de déficit, pardon. Et dette de 2,5 milliards. Merde. 17 points. 17 points. Je me dirige vers les taxes. Désolé. Désolé, qu'est-ce qui fait gagner de l'argent? Punitive tax on superstore. Ah, le PIB baisse. Le PIB baisse, ça fait chier. Mais on peut récolter 3 milliards. On a 45 milliards de déficit. Hein. Public tax returns. Ouais, c'est bien ça. Et ça fait pas descendre le PIB. Mais ça nous fait rien gagner. Potential cost, non. Potential income, non. Je pense que ça va les faire chier, ça. Ah, mais dès qu'on met une taxe, le GDP baisse. À part ça. Ah, mais oui, mais là, on investit. Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. 7 milliards. Technologie qui baisse, corporate exodus qui augmente. Ça c'est pas bon ça. Pas mettre de taxes. On va pas mettre de taxes. On va pas mettre de taxes. On va faire un investissement pour les entreprises. Hop, au max, au max. Le GDP augmente. On va faire en sorte. On va faire en sorte que notre PIB, ça soit le meilleur PIB du monde en fait. Voilà. Voilà, c'est ça mon projet. C'est qu'on fait pas de taxes, on est juste les bestes. Rien de contrôle, c'est important quand même. C'est important. Certaines mesures. Public service. Public service. Public service, j'ai combien de points? J'ai 10 points. J'ai 10 points. Motorist income, oil demand, ça c'est bien ça. Ça, voilà. Bim, au maximum, le télétravail. C'est fou de partir en fait, c'est la société d'aujourd'hui les gars. Les transports, MPG, fuel efficiency standard. Ouais. Oil demand, ça c'est bien ça. Moins 12% de demande de pétrole, moins d'émissions d'eau. Parfait. Et les motoristes gagnent plus d'argent. Vu les motoristes. Carpooling campagne, économie. National Business Council. Mais de ouf. À partir du moment où je vois GDP ici, mais je suis full show en fait. Mais je suis full show, ça coûte rien. Allez, c'est parti. Voilà. Y'a plus de street gangs maintenant. Y'a plus de crimes chez moi. Une société égalitaire. Bim. Le chômage augmente, le chômage baisse et le PIB augmente. Et les gens sont à 79% chaud pour me réélire.
En quoi? Même pas un an? Même pas un an, les gars! Ouais, c'est moi, ça! La fin du crime. S'il n'y a pas de taxes, tu fais comment pour l'hôpital? T'inquiète. On va trouver des solutions. Là, le déficit, 44. On était à 45. Tout va bien. Ben face recognition in public. Ah! Ok. Non, on la banne. La vie privée. Non, on banne la reconnaissance faciale. Non, c'est mort. Technologie, moins 3%. Je suis super déçu. Je suis super déçu de ce que je viens de faire. Economic forecast, good news, the global economy is doing well. Oulala, ok, d'accord. The problem of street gangs is now under control. Nous, on avait des street gangs? Eh, putain. We need to fix this. Ouais, le budget report, ça fait peur. Hein. 19 points. 19 points. Shellcare provision. C'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ils vont retourner bosser ces connards. Peut-être un petit message, une petite campagne publicitaire pour le tobacco. J'ai vu qu'on avait des problèmes respiratoires en France. Technology Grants. Enfin, moi je veux clairement ça. Ça augmente la technologie, la productivité. Ça fait baisser le chômage. Oh mais c'est juste. Je vais juste cliquer sur ça en fait. Et je vais juste le EP. Je vais mettre 3 milliards dedans. Et les religieux, fuck off. Bah fuck off. Au niveau de l'armée. Bon, personne ne veut me kill apparemment. Donc pour l'instant ça va. On a encore combien de points? On a 9 points encore. National Armed Force Week. Waouh, on fera ça un moment. Ça me dérange pas, ouais. full show. Keep the country tidy again. Je suis pas sûr que ce soit le premier truc à faire. Work safety low. Alors. Écoutez, pour le PIB, pour le moment, on va pas cliquer dessus. Pensez au PIB. Je pense qu'on en reste là. Et on garde nos 9 points et on passe. Ok. Message de notre ministère Charles-Édouard. Il est fatigué de servir notre gouvernement. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Force politique, militaire, religieuse? What? Non. Aucun moment. Oh, tu vas juste te barrer. Factory farming, là-haut. Ok, les usines de la ferme. Hello has been proposed that will set either minimum standard for the space, food and access to outdoors that is available to animals in intensive farming establishment. Donc ils veulent juste faire plus des mètres carrés, faire des hectares de mètres carrés. Non. Si. Si. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premier truc. It's about time we did something to ensure animals are not suffering in intensive farming. Full. More expensive food, yes, but... Don't care, people will be happy to pay more if they knew the condition in which animals are currently kept. Bien sûr. Bien sûr. Les fermiers sont pas contents. Ouais, le PIB qui baisse, putain. Le PIB qui baisse. C'est pas possible. 87% de intention de vote. Et on est à 43 milliards de déficit. Je regarde les taxes, mais je veux pas y aller dedans. Public service. Voilà, donc là j'ai débloqué de nouveaux trucs, attendez que j'ai plus de points. Je les ai économisés. Qu'est-ce qu'il y a de intéressant? Elskarvouché, ça peut être pas mal, mais ça coûte plein de putain, je vais pas pouvoir le maxer. Généralement, j'aime bien maxer le truc. Je sais pas. Genre, on est parti dans ça, les gars. Ah, au niveau de la sécurité,
Bravo. State Airline. Productivité, corruption. Ok, c'est bien. On augmente le GDP avec ça. New car subsidize. Ok. High speed subsidize. Driverless car technology is booming. Bien sûr. Bien sûr. 28 points. Oh, c'est beaucoup, 28 points quand même. Et pas un petit truc au space program. Space program. Attendez, ça fait augmenter la technologie. Je suis un strong leader après. Ça fait baisser le chômage. Non, ça c'est ok quand même. Ou alors la robotique. L'espace. L'espace. Capsio Pay Multiplier. Non, c'est bon. Non, non, non. Non, non, non. L'espace. Si, si, il y a du CIV. 20h30. Dans une minute. Green Electronics Initiative. Je vais juste aller dans l'espace. Et je mets 4 millions. Space Station. J'ai pas regardé combien de temps ça allait mettre. Merde. Et peut-être tobacco. Voilà. Petite campagne contre le tabac. Maximum. Petite campagne pour le tabac. Sur l'alcool. Non, l'alcool ça va. L'alcool c'est ok. Cyberbullying. Ah. Manger le si. Manger full le si. Hop. Ah, on n'a pas fait augmenter le PIB. Ah. Ah, on n'est plus une société égalitaire. Ah, d'accord. Bon. Et on a une avance technologique. Bim. Bim. On va les baiser, les Chinois. This is a bad sign. Our party is getting more popular. We have how much activists? L'opposition. Ah, l'opposition, le Captain Morgan, il a 195 000 activistes. Merde. Plane crash. Oh merde! Ouais, par contre, la popularité, on est bien. 47 est beaucoup. 47 c'est beaucoup, 47 c'est beaucoup. Attendez, je fais un dernier truc. Je fais un dernier truc et puis on y va. On va jouer au jeu vidéo ou à l'autre. Punitive Tax on Superstore, j'ai envie, mais ça fait baisser le GPT. Donc à partir de là, on le fait pas quoi. On en est où au niveau du GPT? Oh, le GPT il augmente pas de ouf. Hein. Oh, j'avais l'impression d'avoir fait full truc pour le GPT pourtant. Public service. Faudrait faire en sorte que ça se régule. Hein. Start Digger. Écoute, waouh, c'est cher. Waouh, c'est cher, putain. Waouh, c'est cher. Waouh, c'est cher. Mais on l'a mis. On utilise nos 11 points pour ça. Ou alors on le met au max. On le met au max prochain round. On le met au max prochain round. C'est juste parti. Voilà. Le GPT qui a augmenté, chômage qui a baissé. Putain. Corporate Exodus. Y'a plus Corporate Exodus. C'est bon. Les gens y restent. Situation imminent. Or data showing that we will have a potential battle situation. T-shirt strike. Oh non. Oh non les gars. Ouais, y'a un mec qui est parti. Y'a un mec qui est parti. Ouais. Non, au taxe. Otax. Qui c'est qui est bien Otax? Name. Tax. Désir. Tax. Expérience. Bim. Ok. Éducation, c'est bon. Il n'y a plus de crime. Il n'y a plus aucun crime chez moi. Ok. On a 30 puntos. On a 52 millions de déficit. Et là? Dr. Strike? Ah!
ils veulent quoi les mecs? Excellent health provision. On met tout. On met tout, on va être ruiné. On va être ruiné, je suis d'accord avec vous. Et l'école publique? L'école publique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'école publique, putain? Private, je suis cool. Pour augmenter leur salaire. Selective schooling. Ouf. Pas chaud pour ça. Ça me dit rien. Sécurité. Sécularité of education. Bah de ouf. Il me faudrait 36 points. Waouh. 36 points. Mais après j'ai l'avantage technologique. Doctor Strike. C'est ça le problème là. Là on le voit, c'est le rouge hein. C'est ça. Et ça comment on peut. Ah non, il faut. Ok, non, ça on a déjà géré en fait, en vrai. Et après, ils sont où les. Ils sont là. Hein. State School. State School. Public Service. J'arrive. 20h34. C'est bon, j'arrive. Je passe le tour. Je mets à fond l'école publique. On a fait baisser notre GPT. Positive discrimination. Oh là là. Les quotas, c'est pas bon les quotas. Non, non, moi je suis pas pour les quotas. Non, je suis pas pour les quotas, moi. Voilà. La minorité ethnique, bim. Hein? Ouais, non. Tant pis. Moi je suis pour une société égalitaire, voilà. Y'a pas de couleur, y'a pas de race, pas de. Y'a pas de genre, y'a plus de genre. Vous êtes tous des escargots maintenant. Déficit 31 millions. Bim! Bim! Pardon, excusez-moi, j'ai gueulé. Attendez. On voulait prevent eux. Ça c'est bon. Student laptop. Oh oh! Parti. On a encore 5 points. 5 points, on fait un truc. Excusez-moi, je crée la game après. Ils ont sûrement déjà créé la game. Free parenting class. Gender equality. Non. Tout est propre. Tout est propre maintenant. Oh, le GPT a baissé. Oh, le chômage a augmenté. Credit rating upgrade. Oui, on a boost notre GPT. Business confidence. C'est bon, ça va snowball. On est BBB maintenant. On est full BBB. C'est quoi ça? Uncompetitive economy. Faut réussir à faire un petit truc par rapport à ça. C'est bon, on arrête. On arrête. 24 millions de déficit. 24 millions. On était à 45. On a promis une taxe. Pour le tiki. Hop, ça s'est quitté. C'est bon. Voilà, j'arrête. C'est bon. Je suis désolé.